Hi guys, what's up? This is Yvonne for Free Voices on IVTV. Today, I'm going to talk about one topic that's going on in France. More than 20 weeks, everyone is talking about from all around the world, Disillusion. The movement started from November 2018 until now. The reason of the movement was initially against the raise of gas price and the taxes. But right now, the Gilets Jaunes are actually asking more than that. What are the Gilets Jaunes? What does it mean? What does it represent? What are they looking for? Well, I had the opportunity to go and interview them by myself on Champs-Élysées during their protest. And this is what they said to me. J'estime qu'il y a trois en fait revendications majeures des Gilets jaunes qui sont d'une part la baisse des taxes pour avoir un coût de la vie moins élevé et partant de là aussi parfois l'encadrement des loyers. Il y a aussi le référendum d'initiative citoyenne et la fin des privilèges. Well, the Gilets jaunes is a symbol that all French who has a car are supposed to have one. It is mandatory to have one in case of car accident. But today, some of French people are using it as symbol for their protest movement against their government and their social conditions. On les a commencé à peu près en décembre. Cette manifestation et celle que j'ai faite précédemment, c'était vraiment les revendications des Gilets jaunes, c'est-à-dire le fait que les gens puissent pouvoir boucler les fins de mois sans difficulté, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui travaillent et qui effectivement n'y arrivent pas. Il y a une continuité, il y a une évolution d'une autre politique. Et il faut changer complètement la politique, changer les inégalités sociales, il faut la justice fiscale pour la justice sociale et pour après la transition écologique. Initiative citoyenne pour qu'il soit mis en place. Donc dans ces quatre directions, c'est-à-dire législatif, révocatoire, voilà, et constituant. Unfortunately, some extremist movement took part of the general movement and brought some violence and some damages like the destruction of shops, monuments. As consequences, some people died and others were heavily injured. I asked some people if they were Gilets jaunes or extremists. Here are their answers. Plus les gouvernements se succèdent, plus on voit qu'ils mettent en quelque sorte un tour de vis pour empêcher l'expression d'autres voix, d'autres alternatives. Et effectivement, là, avec la loi Casseur qui est passée, par exemple, si jamais il y a des lacrymos et je commence à mettre mon foulard sur le nez, ça y est, je peux être considérée comme un casseur alors que je ne viens pas du tout casser, moi. Est-ce que vous êtes gilet jaune ou un casseur? Je suis gilet jaune. Today, the government is trying to find a solution through meetings and debates all around the country for a national action plan. J'ai regardé après les questions à choix multiples hein, autour de la fiscalité, de la citoyenneté, de la réorganisation de l'État. Et en fait, sur chacun de ces postes, il y a à peu près 232 000, 260 000 contributions. Alors quand on nous dit qu'il y a 1,4 million de contributions sur le site du Grand Débat, c'est pas vrai. Qui plus est, il est complètement dirigé. For the time being, this does not stop the anger of the Gilets jaunes. Balance tes canons en haut là. Who are still putting pressure on the government through their protest? Je sais que le président Macron, c'est le président pour les ultra riches. I hope France will finally find the peace soon. And that's all for today's edition. If you like the video, do not forget to subscribe. Thank you for watching and see you next time. And don't forget, let's free our voices.